Et bonsoir. Oui. Attendez le jeu. Je viens de rentrer du kiné, donc j'ai pas eu le temps de préparer le live. Juste Rien n'est prêt. le temps de manger. Ce qui est déjà pas mal. Moi, je suis mis dans le fauteuil. Voilà, c'est bon, j'ai terminé mon travail. On veut voir les fesses, mais oui. Alors j'ai une mauvaise. Ah, pour en faire. Et un peu le sang du jeu. C'est fou que ça fasse ça juste pour ce jeu, ça me fait. Comment il va, Winnie? Oh là, je suis complètement. J'ai eu un brain fart. Je passais trois fois dessus en mode je cherche. Oh non, attends. C'est pas bon. C'est pas le bon truc que j'ai mis là, on est d'accord? Oui, c'est. Ouais, on est d'accord. Et je crois que t'as supprimé la capture vidéo, la capture image, non? Ah, en fait, j'ai. Oui. Ok, d'accord, ok. Bon, je vais tout refaire. Vous en faites pas, je vais tout refaire. Voilà, il y a le jeu, c'est bon. Excusez-moi. J'ai oublié un détail, c'est que streamer, c'est un travail. Pas le quoi ici. Quoi? Oh. Vous avez pas le son du jeu? Pour commencer. J'en ai plein le cul. Si, c'est ça, c'est capture audio d'application. Bon, on va prendre celui-là. Oui. Parce que celui-là, on est sûr qu'il marche. J'en ai pas de. Dis ou Quoi? 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 Oui, ça y est. On va pouvoir jouer. Tous les lives Kingdom of Amalur, c'est au début 5 minutes de remise de son. Là, on a pas les monstres. Oh, ce jeu de l'enfer que vous faites! Comment ça? T'aimes pas ce jeu? Il est très bien, Il ce. est très bien. J'ai dormi toute la journée quasi. Oh, mais j'espère que tu te sens mieux. Moi, ça va. J'espère que tu as un Oh, moi, frais ça va. réparateur. Je suis épuisée, mais ça va. Il fait plus frais, donc ça va. Oui, la pluie, ça fait bien. Vive Je la l'ai pluie. poncé le platine sur PS3. Oh. Ah, donc tu connais bien le jeu. Tu n'en pouvais plus, mais. Pourquoi tu ponces des jeux que t'aimes pas? Regardez cet homme qui mange de la glace derrière. Faites comme lui. Manger des trucs devant les lives. Ouais. En fait, Et nous, samedi, on va manger des trucs pendant le live aussi. oui, d'ailleurs, faut que je vienne nombreux pour samedi. Parce que samedi, on a du très très lourd. On va faire une dégustation de snacks Japonais. japonais. On a fait une sélection de snacks sucrés. Et on va faire une tier list. Sachant que c'est pas représentatif des snacks du Japon. Oui. Mais c'est représentatif de ce que nous, on a trouvé. Oui. Et D'ailleurs, faut venir pour rentabiliser ça parce que c'est un peu trop cher. oui, et en plus, on a un argument de taille. On a une surprise. On a une surprise. Une surprise qui sent les pieds. Ouais, je vous assure, vous allez le sentir. Nous, on va le sentir passer. Ah ouais, on va le faire passer, hein. Le beau délicieux bonbon au pied là. Parce que la collectionnite. Ah, vous avez fait un Kratos? Non, on a fait Claude. C'est Claude. L'autre, c'est un beauf. L'Intermarché, il vendait tout un tas de pokies à 2 euros. Les pokies, c'est mon cadeau. Ah oui. Claude l'Irlandais. On est un peu plus là-dessus, mais il n'est pas irlandais. Je dirais le bien français, bien beauf. Ouais, le Gaulois. C'est Aude, le Gaulois. Point, C'est vrai point, que point, on est. point, 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 point. C'est vrai qu'on a un peu fait un accent du Nord, mais. Mais non, on sait faire que ça aussi. Sinon, c'était l'accent allemand. Alors nous, on a pris des pokies. Ça fait partie de la sélection. Mais il n'y a pas que ça. Je sais plus comment on dissipe, mais c'est pas grave. Faut cliquer sur les trucs! Je fais cliquer sur quelle touche? Clique! 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 Voilà, c'est bon, Bon, viens, bon. c'était juste cliquer.
Si tu échoues, tu te fais maudire. Oh non! Ah, il te manque la clé. Il manque la clé! Coucou Spider! Comment tu vas? Oh, c'est Spider! Ça va et toi? Bah, sinon, ça va bien. Non, je suis fatigué, Spider. Du coup, maintenant, vous connaissez la tête de Spider. Alors, fun fact, d'habitude, sur mon téléphone, quand il me dit que j'ai marché 3000 pas, je suis contente de moi. Et avec la rentrée et mes séances de kiné, je suis à 11 000 pas aujourd'hui. Par jour. Par jour. Fatiguée. Je sais plus où on va, hein. Je suis une remarqueur de quête. Ça m'a mis un peu fatiguée et quand je suis fatiguée à ta capouille. Oh non, ma seule faiblesse. Des papouilles. Les faiblesses des papouilles. Rapporter l'attaque. Oui, 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 on va voir les failles. Exactement, bah oui. D'où le titre du live finalement. Taïo ! Alors je sais plus où je t'en avais laissé la dernière fois. Ah, j'ai eu un niveau sans toi. À chaque fois que tu t'en vas, j'ai un niveau. Et du coup, j'ai pris un sort. Et attends, il faut que je retrouve comment il fonctionne. Ça me revient. Ah, c'est les runes. On va les marquer. Je crois que tu peux les marquer plusieurs fois. Et là, je maintiens enfoncé. Oui, mais je maintiens enfoncé. Ça marche pas. Une magie en fait. Ah, c'est pour ça. Mais c'est le moment. Ah, il faut masse de magie pour le faire péter. Faut que tu essaies une fois pleine de magie. Oui. Ouais, perso, tester Baldur's Gate, mais je vais refaire un compagnon, c'est coincé dans un endroit où il peut pas descendre. Oh non, chiant. Il y a quelques bugs qui devraient être patch à un moment. Mais avec la hype du jeu, ça m'étonne que le genre de bug soit pas patch très vite. Tu t'es softlock du coup, ça. Et encore quelques bugs, bon. Finalement, c'est bien de pas pouvoir acheter les jeux à leur sortie. Parce que déjà, tu passes l'étape de la méga hype. T'as le temps de réfléchir à est-ce que tu veux vraiment le jeu. Et en plus, t'as le temps que le jeu soit patché. En général, le temps que... Moi, quand je me pose une question sur un jeu, et je me dis bon, je vais pas l'acheter tout de suite. Il va y avoir un moment où il y a un meilleur youtubeur qui va faire un let's play dessus. Bon, je vais regarder plutôt que de jouer au jeu. Qui m'empêche pas de craquer. Hein. Oui. Le prochain, mais le mois prochain, ce sera Starfield. Oh, Skyrim dans l'espace. J'ai pas regardé la vidéo de Bob dessus. C'est Skyrim dans l'espace. Ah ouais, c'est vraiment la même chose. Ouais. Plus loin, mortel. Vous n'êtes pas des nôtres. Aucun éphémère n'est digne de reprendre le rôle de Sir Sagrel. Alors déjà, c'est qui Sir Sagrel? Et en plus, moi, je suis pas un mortel là. Techniquement, tu es un peu un mort-vivant. Oui. Exactement. C'est qui Sir Sagrel? C'était l'un de nos héros les plus appréciés. Il parle comme un vieux. Je ne supporte pas l'idée qu'il soit mort et qu'il se trouve maintenant de l'autre côté de l'eau parmi nos cruels cousins de la cour d'hiver. Ah bon? Il y a des héros importants là. Quand les pailles meurent, ils vont chez la cour d'hiver. Oui, c'est ce que ça a l'air de dire. La cour d'hiver, c'est les méchants. Oui, c'est... Du coup, en fait... C'est toi, toi. Cour d'hiver. Je ne m'étais encore jamais méfié d'eux. Ils étaient nos alliés, aussi importants pour nous que l'hiver pour l'été. Mais les Tuatha ont brisé l'équilibre. Le compteur nous guide tous dans le récit des grandes balades de la cour d'été. Il administre notre grande maison et sert les glorieux chevaliers de la cour des enchantements. J'aime bien comment il te dit « Ne rentrez pas, il te fait un cours d'histoire. » Ouais. Et... Qu'est-ce que tu penses que c'est des failles, en fait? Oui, parce que tous les failles sont en mode « Non, mais moi, je parle pas aux mortels, là. Vous êtes nuls, vous êtes pas intéressants, vous savez rien. » Ah,
tu veux savoir? Bon, je vais t'expliquer. C'est ça. C'est un peu comme ça. Mais... comment il est mort? Je crois qu'il revenait à la vie. Bah, je pense... oui, je pense qu'il revenait à la vie plus tard, mais... je pense qu'on découvrira petit à petit comment ça fonctionne, le cycle des failles, parce que moi, j'ai pas compris. Les mortels de Gorath croient qu'ils ont établi une colonie permanente, mais ils se trompent lourdement. Leurs maisons tomberont et leurs tombes se multiplieront. Mais ça, ils c'est l'eau des mortels. Abattre les arbres et arracher les lianes. La forêt reviendra et ne tolérera pas les hommes sur son sol. Les failles non plus. T'es en train de nous dire que tu vas nous arracher à nos maisons? La maison des balades abrite la cour des enchantements, où nos héros se rassemblent et s'entraînent avant d'accomplir les exploits de leur légende. Le domaine comprend trois structures principales. Ils se sont entraînés. La cour des enchantements comprend bien sûr le mur des légendes, sur lequel sont représentées les plus grandes balades de notre canon. Vient ensuite la salle des éloges, où vous trouverez nos meilleurs artisans failles. Et enfin, le sort. Vous trouverez, hein, t'as pas le droit d'entrer, mais tu trouveras. Où sont rassemblés nos brillants instructeurs. Toto, on s'en fout, c'est quoi le galant? Mais tu les formateurs, c'est... Ah oui, c'est bon. Et d'assister le chancelier de la maison des balades dans ses nombreuses activités. Alam est bienveillant. C'est un honneur de le servir. Ok. Ok. Tout le cours des enchantements. Les grands héros de la cour d'été ont leur place dans la cour des enchantements. Wensen, Belmaid, Farara, Olain, Hermer et Crete. Leur gloire unifie tous les faits dans un récit commun. C'est l'une des rares choses que notre peuple partage. C'est très important, finalement. Oui. Elle vise à combler une vacance au sein de la maison des balades. Mais bien, tout vacances. Ceci ne vous regarde pas. Non, c'est vacances si en sens de vacances. Oui, j'avais compris. Je savais pas que c'était un mot utilisé comme ça aussi en français. De me bannir du récit. Oui, c'est quand c'est vacant. Si ne vous regarde pas, si elle savait que je vous ai parlé, elle serait capable de me bannir du récit. Ah oui, c'est important à ce point. Pour lui, se faire bannir du récit... c'est genre, il se fait bannir du village, quoi, en termes d'importance. Tu pourras pas participer à la culture, ça va. On va effacer ton nom de l'histoire. Après, je pense qu'il doit y avoir des options pour gagner son nom. De toute façon, les pays sont immortels, donc ça va foutre. Vous parlez sans doute d'Illuvia, cette sotte impétueuse. Je lui ai dit d'éviter votre village et Odarath en général. Mais elle n'a jamais tenu compte de mes avertissements. Elle sera châtiée comme il se doit dès son retour. C'est une perte, certes, mais ce n'est pas le premier événement inattendu dans cette histoire. Que s'est-il passé? Elle se fait agresser, c'est tant pis pour elle, elle a cherché la merde. Et quand elle reviendra, on va la lyncher en plus! Comment ça s'est passé? Mais c'est... Par contre, comment ça s'est passé? Elle va bien? Bah non. Bah non, elle va pas bien. On l'a sauvée des bandits. Oui, j'ai remarqué un nombre grandissant d'humains à Dalentarth. Ce doit être cette guerre. Je dois dire que je ne la comprends pas. Ah oui, c'est toi qui l'as provoqué la guerre. On s'attend toujours à recevoir un trophée pour chaque bonne action. Un bibelot ou de l'or. Je suis pas là pour l'argent, je suis là pour les femmes. Vous seriez bien aimable de transmettre ce message. Nous ne voulons aucun mal aux gens de Gorath. Faut qu'on aille voir. Ils n'ont rien à craindre. Pas, je pense qu'elle sera pas aussi pétable que la waifu qu'on a trouvée oui. Là où il y avait le cadavre du... Alishir. Ouais. Nous nous reverrons. C'est peut-être moins pétable les failles, mais c'est de la pure. Allons voir si l'on peut... si l'on peut tester quelques pistils. Voulez-vous que je vous secoue mon étamine? Comme vous le savez, une place vient de se libérer au sein de la maison des balades. Un événement inattendu est venu perturber notre grand récit. Sire Sagrel nous a quittés.
Coucou Mur, comment ça va? Et au mur, putain. Les étudiants de l'Académie Ferrara. La couronne d'Axi a été vaincue, mais sa mort vous donne à tous la possibilité de rejoindre le cercle des plus grands champions de l'histoire des Fae. Olen, Crete, Hermer. Donc on prend sa place. Wensen, le brave. Ça. Qui parmi vous aura au le courage de passer l'épreuve de confirmation? Saisissez cette chance. Alors aujourd'hui, c'était deux journées. Oh, il s'est passé quoi? Vas-y, raconte. Raconte deux journées. À jamais. Au début du jeu, ils disent que les failles ne meurent pas comme nous, mais peut-être qu'ils meurent. Mais pas comme nous. Peut-être qu'ils meurent, mais que ça veut juste dire qu'il y a quelqu'un qui prend leur nom. Peut-être. Ouais, c'est très vicieux là-dessus. On découvre que Hatchbacked, les pétales, bien rebondis. Oui. Il me faut vérifier si les pistils sont de bonne qualité. Bonjour. Qu'est-ce qu'on attend? J'aime mastiquer les étamines. En tout cas, les étamines, elles sont bien gaulées. Hein. Étaminées, en même temps, il doit avoir que ça à foutre. Oh, c'est déhanché, là. Oh là là. Tu prétis plus qu'un peuplier dans le vent. Ceci ne vous concerne pas, mortel. Vous ne pouvez pas comprendre. Nous venons de perdre t'as plus de cours qu'une glissée dans plein hiver. Héros. Sa mort met sa légende en péril. Les sièges de la maison des balades ne doivent jamais. J'ai envie de te grimper vide. Comme du lierre. La pérennité de notre histoire. Tu t'es feuillé comme un platane. Vous savez, platane, c'est le gorse qui tombe là. Ah, c'est Claude, hein! Ah, c'est Claude! Sa mort met sa légende en péril. Pourquoi? Les sièges de la maison des balades ne doivent jamais rester vides. La pérennité de notre histoire en dépend. Sire Sagrel, fléau d'Otsigan, seigneur des brumes de l'aube et défenseur de la couronne d'Axi, était l'un de nos plus grands chevaliers. Sa légende existe depuis des générations. Il y a quelques jours, il est parti affronter le Calamite de Gorgoat, son plus célèbre adversaire. Mais le récit a pris un tour inattendu et dramatique, car cette fois, c'est le Calamite qui l'a emporté. Un tel dénouement ne s'était encore jamais produit. Je ne sais pas quoi penser. Et du coup, c'est triste parce qu'ils sont tellement dans leur... process, dans leur histoire, dans leur procédé, que dès qu'il y a quelque chose qui va pas, ils savent plus quoi faire, comme des enfants. Oui, et moi là, ce qui me choque, c'est que, genre, il y va, il casse la gueule et il revient, et il y retourne deux semaines après, il recasse la gueule et il revient. Je sais pas quelle est la durée du cycle, mais ça a l'air d'être l'idée. Hein. Alors, Mur nous écrit... Journée de cours lambda, cours de métabolisme cellulaire sur la dégradation des acides aminés, puis TD et deux heures d'enrée. Mais j'ai reçu des réponses pour mon stage pour cette année et pour être membre d'un projet de fabrication d'un nez en 3D. Et je suis pris dans les deux. Mais let's go! Et en plus, j'ai fini avec 99,9% de mon escouade. Escouade? Comment ça, escouade? Mais en vrai, je suis trop content pour toi. Ça a l'air trop bien, le truc du nez en 3D. Du coup, j'ai ton nez, ça marche comme blague. Du coup, c'est pour Voldemort. Figurez-moi, Hammer. Ah mais oui. D'ailleurs, pourquoi pas où il est. Il attend. Bien, maintenant que j'ai mon setup, il va pouvoir me vérifier à faire. Dis-moi plus sur la maison des balades. Nous sommes les gardiens de la tradition. Ah, la tradition, ouais. Les héros les plus respectés de la cour d'été. Nos exploits sont connus à travers toute la Faëlie. Nos grands chevaliers. Wensen le brave. Hermer le juste. Olen, la vertueuse, sont destinés à revivre éternellement leur quête, qu'aucun Fae ne saurait oublier. Ils nous rappellent qui nous sommes et ce que nous sommes capables d'accomplir. La Maison des Balades existe pour préserver à jamais notre glorieux héritage. Mais c'est nul de devoir se battre éternellement comme ça.
C'est peut-être plus de l'ordre du festival ou du spectacle, en fait, au bout d'un moment. Comme la tauromachie? Ouais. Il pourrait vous... Ah! Bon, ouais, peut-être, ouais. Moi, je pensais plus au festival japonais, tu vois. Sauf que là, en effet, au lieu de dire, ah, il s'est passé ça, Masamune, il a tranché la tête du dragon, je bullshit, hein. Je bullshit kilomètre. Et voilà. Sauf que là, effectivement, tu as vraiment Masamune qui arrive et qui décapite le dragon. Mais c'est pas le même dragon, du coup. Bah, s'il est dans l'histoire, peut-être que si. On n'est pas sûr qu'il n'y a que les failles qui fonctionnent par ce système de cycle. Peut-être que le calamite aussi. Mais du coup, Peut-être. qu'est-ce qui dit que toutes les races ne fonctionnent pas par cycle comme ça? C'est Et que vrai. potentiellement, je sais pas, sur les mortels, en fait, bah c'est juste que ça c'est pas toujours le même mortel, mais C'est un cycle. ouais, c'est un cycle quand même. Peut-être. Moi, je pense que c'est les mortels, les aliens, dans cet univers. Peut-être. Tout à fait, c'est pour faire des démonstrations pour montrer les bienfaits de se moucher et les dégâts que font les bactéries quand tu as un rhume, par exemple. Montre ça aux Japonais. Pourquoi? Parce qu'en Japon, c'est très mal vu de se moucher. Ah oui. Mais... C'est quoi ce monde de merde où où c'est un cycle éternel et où il n'y a rien qui peut évoluer? L'origine, peut-être, je sais pas. C'est comme si le monde commençait maintenant, à partir du moment où t'as une perturbation. Ouais, je vois, genre ils sont immortels, donc ils ont leur épopée qui constitue leur quotidien, et d'un seul coup ils deviennent mortels, et là ils se rendent compte que du coup il va falloir complètement changer, il va falloir créer une civilisation à partir de là et évoluer. Je sais pas si d'un coup ils se rendent compte qu'ils sont mortels, parce que ça n'a pas l'air d'être vraiment le cas, mais. À mon avis, d'un seul coup, non, mais enfin. Mais les choses changent. En plus, mon stage se fait dans un labo de microbiologie. Où mon tuteur, c'est la personne qui s'occupe du master de microbio. Ouh! Bien. Ouh, tu te mets bien, c'est quand ton stage? Je Votre vais prendre sa audace est place. louable, mais les choses ne sont pas aussi simples. Seul un fae valeureux peut Ça terminer marche, sa Spider, à quête, plus tard, bisous. achever son histoire. Toutefois, nous vivons des temps étranges. La magie prend de nouvelles formes, un changement auquel nous avons du mal à nous adapter. Je vous autorise à rejoindre les autres aspirants. Vous pouvez essayer de tuer le Calamite, de récupérer l'anneau de Sagrel et de prendre sa place dans la maison des Balades. Ouais, compte sur moi. On est d'accord que là, il a littéralement fait. Écoute, je sais tellement pas quoi faire et je suis tellement perdu que. Oui, vas-y, postule. Je comprends pas ce qui se passe. En fait, c'est un peu des boomers. Ils comprennent pas. Bon, je comprends pas TikTok, mais si tu veux, vas-y, fais ton truc. Parle-moi de Alam le Je Blanc. suis C'est toi, Alam Alam le le Blanc. Blanc, quêteur de la pierre de Fal, baron de la forêt inondée, fléau d'Argoth le puissant et grand chambellan de la maison des Balades. C'est comme Comte de la Daenerys maison des Targaryen sur Balades, son me nomme mec le comte, Starbuck, il y a... car c'est à moi de Il sait pas combien veiller de lignes. sur l'anthologie des balades de la cour d'été. Ah, du coup, Mur, tu as le choix dans la date? Faut que je le voie avec lui pour se mettre d'accord sur les dates, mais je pense faire un stage en plusieurs fois par semaine, 2 heures par semaine. Au lieu de faire un stage pendant 2 semaines. Oh, c'est 2 semaines seulement? C'est pas très long comme stage. Oui, mais apparemment, Mur a quand même le Aïe. choix dans la date. Il a l'air très hype et ça me met en joie. J'espère que ce sera à la hauteur de tes espérances. Parle-moi de la cour Pendant de d'hiver. nombreuses saisons, la cour d'hiver a été notre alliée. Point de printemps sans le doux déclin de l'automne. Point d'été sans le froid mordant de l'hiver. Mais alors que nos pouvoirs s'étiolent lentement, les leurs s'épanouissent. Vous avez dû le sentir. Et du coup, la cour d'été. Nous sommes les soldats de l'été, les gardiens de la lumière du printemps.
Quand nos cousins de la cour d'hiver célèbrent les ombres du crépuscule, nous savourons l'éclat de l'aube. Mais notre cycle est en train de changer. La mer est en feu. Les monstres rôdent dans l'est et la peur est dans tous les esprits. La cour d'été est en déclin. Et à faute à qui, hein? L'antre du Calamite se trouve à l'est de cette grande maison, dans la caverne de Borgoat. C'est pas pourquoi, d'ailleurs. Je veux pas savoir. La nuit, on peut l'entendre s'agiter dans son sommeil. Ses cris sont terrifiants. Non, pas aujourd'hui, s'il te plaît. Non, mais juste, il se gare. Et vous, comment se passent vos études? Alors, nous, on a fait la pré-rentrée vendredi. Et là, on a fait notre première journée de pré-piscine. Alors, piscine, parce que c'est intense. En gros, on va faire une grosse remise à niveau pour que tout le monde soit à peu près au même stade. Mais avant, on a deux trois bases qu'on va refaire, machin, tout ça. Genre là, aujourd'hui, on a fait des commandes dans le terminal. C'était pas fascinant, mais c'était intéressant. C'est un peu rébarbatif parce qu'on a surutilisé les 4 mêmes. Et du coup, c'était un peu chiant, mais c'était intéressant. On va voir demain ce qu'on fait. On nous avait parlé de Python très rapidement, mais... J'attends encore qu'il sorte, parce que moi, le Python, ça m'intéresse très très fort d'en faire. Je me sentirais plus à l'aise. C'est un stage qu'on peut faire entre 2 et 4 semaines et que je devrais en plus faire un rapport oral en anglais dans le second semestre. Ah oui, ça déconne zéro. Tout le temps est passé plus de temps pour pouvoir faire de chat et de Ah, mais du coup, si tu fais un stage et que tu peux faire 2 stages là-dessus. Voilà, c'est... BAM c'est... Il est très puissant comme ça, il fait super mal. Oui, il avait l'air trop fort, c'est pour ça que je l'avais pris. Il est compliqué à mettre en place, mais il fait très mal. Ça va, un truc électrique. Fais plus de spé, écoute. Et putain! C'est pas qui te donne cette clé là. Oui, on va aller jouer avec les serpents. J'aime bien moi les serpents. Volontiers. Avec plaisir. Alors il faut savoir un truc, c'est que depuis le début de la coloc, Orion n'est officiellement plus mon chat. C'est devenu le chat de Renard. Non. Son cul et chemise, tous les deux là. C'est pas comme moi. Il y a Roubaud aussi. Ah bah bravo hein. Il est allongé au pied du fauteuil et je lève et puis il galère à se relever, à rouler sur lui-même. Ça me fume quand il dérange tout ça. Ah non. Oh non, le truc à épices. Ouais, c'est ça. Salut toi! Salut le beau gosse! Parle au chat, hein! Oh, c'est stylé ce que t'as fait à tes cheveux! Ah bon? J'ai fait quoi? Ça te fait une jolie mèche! Je les ai juste fait tomber! Ouais, mais ça fait joli! Ça fait un peu L'Oréal! L'Oréal! Parce que tu ne vaux rien! Renaréal! Je te capture! Je veux savoir, on dirait vraiment un dresseur Pokémon un peu emo. Il essaie de s'échapper, mais pas trop. Hein. Fais gaffe parce qu'il commence à mettre les griffes et les patounes au mauvais endroit sur tes... Parti. Voilà. Stérilisé par un chat, mémoire de renard, 2023. Mémoire de renard. Il va écrire un livre comme ça. Alors mur, c'est ça un truc. J'avais mon papier de glace, du pot de glace, qui était sur le téléphone.
Et ça avait cliqué sur le pseudo mur et ça avait scrollé jusqu'à bannir temporairement. La classe a choisi. Le mur, il a failli se prendre un time out. Ah non, il a failli se prendre un Théo et j'aurais rien pu faire. Théo par une glace. Bonjour. Vous avez réussi. Comment tu sais que j'ai réussi? Toujours en PLS la madame. Oh, on a oublié de regarder si elles étaient bonnes. L'autre. Ils sont bizarres leurs bas quand même. Oui. En fait, leurs vêtements, on dirait qu'ils sont faits en feuille. Vous êtes de retour. J'avais peur que les Faé se soient vengés sur vous. Je me trompais, comme d'habitude. La Faé a pu guérir grâce à votre potion. En fait, elle souhaite rester au village quelques semaines pendant son rétablissement. Elle n'a pas l'air rétablie. Hein. Gorart deviendra une nouvelle communauté où règne la compassion. Prenez mon épée et ma rondache. Je suis sûr qu'elles vous seront utiles. Je vais les revendre, hein, tu sais. Au revoir. Non, mais faut pas qu'il rebouffe, là, en fait, il va dégueuler. Ah, il me fatigue. Ah, parle-moi. Parle-moi, madame. Salutations, étrangers. Je crois devoir vous remercier pour ma longévité. Je vous suis redevable. Nos peuples s'évitent depuis trop longtemps. Ouais, je pense qu'il veut juste la quête, Mounia. Nous pourrons peut-être changer ça ensemble. J'ai une question. Oui. S'ils vivent un cycle éternel, pourquoi elle s'est fait attaquer que là? Ah, mais parce qu'ils n'ont pas tous des histoires comme les héros des balades. Orion. Qu'est-ce qu'il fait? Il lèche le sol. C'est des miettes. T'arrêtes de bouffer des trucs. Hein. C'est un ventre à pattes. Parle-moi de la maison des balades comme écuyère, mais je ne suis pas rentrée depuis près d'une saison. Ils doivent m'attendre. Moi, je te conseille pas de rentrer. Ce sont les meilleurs d'entre nous, les seigneurs et les dames du récit, mais je n'ai jamais été destinée à connaître la gloire dans leur rang. Je le sais. Comme tous les Faé, je me sers de leur expérience pour éclairer le bois le plus sombre. Mon histoire est la leur, car le récit est notre bien commun. Ok. Mon intérêt pour les humains m'a conduite aux limites de votre village et a aussi causé mon infortune. Je compte rester ici pour apprendre. Gorart n'est pas qu'un village, c'est une graine. Sa coquille renferme tout ce qui rend l'humanité aussi merveilleuse, mais aussi tout ce qui la rend affreuse. Je peux te montrer ce qui fait que l'humanité est merveilleuse. Bonjour. Hey, j'espère que t'en as profité, mec. J'espère que t'en as profité, hein, maintenant. Ou tu en profiteras maintenant, d'ailleurs. Faire peut-être quand elles sont en pleine possession de leurs moyens. J'ai mal à la tête, t'inquiète pas, j'ai un remède. Ouvre grand la bouche. Terrible. Oh là, fou, il y a tellement de saloperies. Je fais du tri dans l'inventaire. Ah, ça va arriver assez régulièrement, de toute façon. Ça se fait un quart de ton temps de jeu dans le ventre. Au secours. Moi, j'aime bien. C'est bon, j'ai enlevé les bignoux. J'ai enlevé tous les bignoux parce que ça me trigger en fait quand il y a des étoiles en mode hey, « Hé, il y a un truc que t'as pas vu ici !» Je comprends pas ta tête, ça me trigger aussi. Entrez. Vous n'imaginez pas comme nous sommes occupés depuis l'arrivée de cette faille. C'est nouveau, ça? Non? Je sais pas. Bon, alors rien de plus à dire, en tout cas. Merci à vous. Revenez-moi. Au revoir. Mais tu le montes vite, quand même. Assez vite. Elle part vite aussi. Le cours de l'or, mon cher ami, le cours de l'or. Ne causez pas de grabuge. Tranquille.
lumière dont vous m'avez parlé? Je suis perdue dans mes pensées. C'est peut-être le bon jour, vous savez. Camden pourrait être le prochain à se montrer au coin de la rue. Ah, c'est le gars qui est mort. On a pas mal de trouver des lettres de lui. Ouais. C'est mon mari. Mais nous n'avons passé qu'une seule nuit ensemble avant son départ. Sa milice se bat sous la bannière du général Finn. Après notre et la peau, elle tombe engrossée. Oh, bravo. Et cela fait maintenant 3 longues années. Mais il reviendra. C'est mon cœur qui me le dit. Ton cœur... J'ai pu vous donner en retour. Mais ce qui m'appartient est à vous. L'armée Alpha est connue pour être avare en information. Toutes mes requêtes pour obtenir le raid ont été ignorées. Tu n'as pas grand-chose, mais tu as toi. C'est là-bas que Camden s'est porté volontaire. Il y a tant d'années. Merci pour votre gentillesse. J'attendrai ici de vos nouvelles. Adieu. On sait qu'il est mort. C'est Lafayette qui était là-haut qui a spoilé. Elle dit, ouais, la veuve, elle attend que son mari rentre alors qu'il rentrera jamais. Mais je sais plus si on a trouvé des lettres... Il me semble que oui, hein, mais... Il y a peut-être rien qui prouve que c'était lui. Perte de savoir, localiser la potion. Ah, ça. Vas-y, je vais faire celle-là. Celle du mec qui devient débile. Il a bu une potion d'intelligence et du coup il était là en mode je suis un génie de l'alchimie. En fait c'est Gilles de Rollocart. Alors qu'en fait non. C'est Gilles de Rollocart. J'ai un sort d'ego ici. Il y a des quêtes partout. J'adore ce jeu. À en juger par la décoration, vous devez être les gentils, non? Ne faites pas cette tête. Le donjon de Brockel n'est peut-être pas très impressionnant, mais nous en sommes fiers. Ce n'est pas un simple tas de bois et de pierres. C'est un symbole. C'est le domaine de Tinedelfric, un vétéran de guerre et un castellan de la région. Nous sommes des mercenaires, les meilleurs qui soient. Pourquoi vous songez à nous rejoindre? Tinedelfric est notre castellan. Allez lui parler. C'est un Pokémon. Viens, ma princesse. Non. Je veux pas venir. Princesse. Elle est adorable. Hein. Elle est gentille. J'aperchis, mais oui. Elle est sur le bureau maintenant. L'entrée donne sur la grande salle où Tinedelfric reçoit les visiteurs. Vous trouverez la forge et l'intendance sur la droite. Les quartiers communs sont droit devant. Ils sont réservés aux gages pavois et autres hauts membres de l'ordre. Ceux du Castellan sont à gauche. Vous n'avez rien à y faire. Vraiment? Je vois. Sinon, consultez le panneau de contrat. Je vous paierai si vous remplissez une mission. Très bien. Tu sais que j'ai jamais eu autant de cheveux longs depuis ma dépression. Je te crois. Les contrats sont accessibles à tous. Adressez-vous au gardien du donjon pour encaisser vos primes. Livre perdu, fourrée sauvage. Enquête dans Etinmer, troll d'Axi. Contrat renouvelé. Je prends tout. Je lis pas. Salut lol. Comme dans gros, je lis pas les quêtes, je les prends. Je les lirai quand on les retire. Engagez-vous, qui désire. Une recommandation d'Ordura. Voyez-vous ça? J'avoue que c'est un bon point pour vous, mais vous avez encore tout à prouver, soldat. Ok. Est-ce qu'il est son armure? Je ne suis qu'un vieux soldat. Ils m'ont d'abord nommé Castellan de ce donjon, mais ça n'a pas suffi. Alors, ils en ont remis une couche avec ce titre de vétéran de guerre. Il a pas l'air d'être content. C'est le genre de militaire qui aime être sur le front et qui en a marre d'être devant les blocs. Trois donjons veillent sur la Faélie occidentale. Brockel à Dalentart.
Helmgard à Eratel et Boutfaer à Détiré. Ils sont chacun dirigés par un castellan. La Maldors Vericura supervise nos troupes à Cloricon. C'est vraiment les noms de Salvatore. Hein. C'est, il tape trois lettres et il fait « Allez, à partir de là, on fait une nouvelle lettre !» À moins qu'il ait un chapeau avec des syllabes. Genre « clue ». Allez, aujourd'hui, ce sera « clu »,« ri »,« pluri ». On a un dernier. « Con », parfait. « Cluricon ». Con. C'est « curicon » en plus. Les engagés n'avaient pas foulé ces terres depuis des siècles. Et entre nous, c'était très bien comme ça. Cet endroit ne nous réussit pas, ouais. Mais nous sommes des mercenaires. Et encore, hein, j'ai vu des choix plus petits que ça. Nous devons mériter notre solde. Ne commencez pas à rêver de gloire. La guerre. Non, mais je rêve de gloire chez les fées, moi, c'est pas grave. Nous nous acquittons ici n'ont rien d'héroïque. Les novices sont payés à monter la garde, traquer les voleurs, patrouiller les routes. D'ailleurs, une patrouille doit bientôt partir. Si ça vous intéresse. Hier yeah. Des marchands nous ont chargé d'enquêter sur une récente disparition survenue le long d'une route de l'Orcaranée. Allez prévenir le novice Wael Rendig à Didonil. Vous le trouverez probablement chez la guérisseuse. Ensuite, allez jusqu'au pont du Veilleur. Votre groupe de novices devra ratisser la zone et s'assurer que les routes sont sûres. Tout est clair? Alors au travail. D'accord, ça va très vite pour avoir du travail de vous. Où en fait? C'est ça. Ouais, faut vraiment traverser la rue pour avoir du travail. C'est bien ce genre de monde. Tu peux pas avoir du chômage. Les gens meurent tellement vite. Force. Ouais, et sur son. Qu'est-ce qu'il vous faut? Je suis l'intendant de ce donjon. Je peux vous fournir des armes et des armures de qualité supérieure. Ta voix ne va pas du tout avec ton corps. On va voir plus. Kigora, je crois. Compagnie. Oui. Oui. Non. Bah non, en fait. Oui, mais non. Un copain allemand. Qu'est-ce qu'il y a encore? Pardon, madame. Et ça sera une toi. Tu es un mal, c'est ça. Oui, je suis un poil plus subtil que ça. Je prends tout. J'ai tout volé. Alors, regardez comment Renard il est malheureux de vivre avec des chats. Tiens, moi je suis tellement triste. Ça se voit, mais. On sent que t'étais prêt à en prendre un. Oui. Parce que d'ailleurs, risque peut-être. Encore un autre. Tellement... Regarde, ils ont fusionné. Restez aux aguets. Du coup, elle a un casque dans le cou. Ou une perruque sur son casque. Une perruque sur le casque. Plus de protection. Non, c'est la protection, mais en gardant le style. Claude, lui, il a choisi l'ergonomie, l'aérodynamisme. Je suis pas sûr que dormir en armure comme ça soit une bonne idée. Selon l'armure, ça peut être très confortable. Hein. Là, j'y crois moyen. Hein. Moi, dans mon armure lamellaire, en fait, c'est comme si tu étais dans un cocon où tu as bougé. Celle en acier? Ouais. Donc t'as pas besoin de couette, en fait, c'est déjà lourd. Ouais, hey, tu m'étonnes. Idvold est un vieux grincheux, mais il est loyal. Viens te mettre ta queue dans mon nez, hein, en gros. 80% de chance. Qui me voit? Voilà, et quand ça sera vite, t'auras plus de chance. Voilà, plus c'est bas, mieux c'est.
Ninja! Ninja! Je suis un ninja! Regarde, maman, je suis un ninja! Je sais pas pourquoi ça montre là la quête. C'est pas grave, ce feuille-là, c'est pas important. Oui. D'accord. Tu sais ce qu'elle aime par-dessus faire? Se mettre sur les livres. D'accord. C'est pour ça. Mais du bol. Hein. Mais non, c'est du talent. J'ai du sang de voleur sur les bottes. Tiens, j'ai du sang de voleur sur les bottes. Pas du tout intimidant quand tu viens de piller quelque chose. Il fallait que tu récupères quoi dans ce coffre? Aucune idée. Mais tu l'as récupéré, ça c'est sûr. J'ai tout pris. Ça fait genre toi en mode quête accomplie. Ah, c'est la potion. Ah. C'est la potion intelligence. C'est vrai que j'étais venu là pour ça à la base. À croire que c'est pour moi la potion de souvenir. Alors il est où Michel? C'est le brésilien. Il danse sur la samba. Il va de ville en ville. Pour vendre des Benux. Michel, c'est le Brésil. Il danse sur la samba. Mais non, c'est Michel. Oui. Forever tonight. C'est pas le même. Non, ne me dites rien. Ça y est, je me souviens. On s'est déjà rencontrés. Ici même. On est où, au fait? Oh, c'est pas vrai. D'accord. Bon, je vous laisse trouver les fafas. Eh bien, bonne nuit, Winnie. Des gros bisous. Merci d'être passé. À la prochaine. C'est lui qui est perché avec sa potion. Ouais. Ok. J'ai un attaque. Ça va marcher. Allez, tu sais que l'ami. Je crois que ça a marché. Indubitablement. Pléthorique. Fantasmagorique. Voilà. Je devrais maintenant être capable de préparer n'importe quelle mixture. Comme convenu, voici votre dû. Vous m'avez tiré une belle épine du pied. Non, pour l'épine, il va falloir avoir un médecin. Ça commence à devenir, urgent. Ça dépasse mes compétences. Ça. Je fais les quêtes secondaires, je fais pas de quête principale. Les quêtes principales, c'est... Quand on aura tout fait. Il y a beaucoup de quêtes, hein, il y a beaucoup de choses à faire. Oui, mais tu vois, Bob Lennon, il a jamais fini Skyrim. Alors pourquoi je finirais Kingdom of Amalur? C'est pas faux. Il a pas fini Skyrim, et pourtant il commence Skyrim dans l'espace. Espace. Non, ça va pas. Ouais, je vais te là-bas. Ah, tu connais quoi, si tu veux. Oui, elle aime les gens. Elle aime bien être avec des gens. Bah oui. Regardez-moi ces deux malheureux là. Elle ronronne instantanément, ça. Si elle ronronne instant, c'est parce qu'elle est à l'aise avec toi. Ah, et c'est pour Zelda. Zelda. Je prends tout. Absolument tout. Allez. Bonjour, je suis un homme parfaitement honnête. Explorez la mission et présentez-vous aux frères. Ils seront plus que ravis de rencontrer le héros qui a ramené notre cher Egan. C'est Egan de l'église, de l'abbaye. Oui. Apparemment, il a une quête, mais... Non, tu vas voler un truc dans l'hôtel. Oui, c'est ça. Collection de frères-t-il ?
Cet attaché à verrouiller contient la collection privée de Frère Till, l'ancien maître des écritures de la mission de Saint-Audouin. Vu les titres des livres encore en place, les goûts littéraires du moine étaient lascifs, d'ailleurs quoi. Pour ne pas dire obscène. Ah, ok, d'accord. Retrouver tous les volumes manquants et compléter sa collection pour recevoir une récompense. Oh, Claude qui aide le prêtre à retrouver sa collection de porn. Exact. Oh, c'est une quête à Miu, hein. C'est vraiment. C'est vraiment les nirs de rose cramoisis. Hein. Tu veux dire les gemmes de. De Banzia, ouais. Bon, c'est à peu près ça. Frère Delph. Oh, je ne vous avais pas vu entrer. Je lisais cette lettre et. Que puis-je faire pour vous? Je n'aurais jamais cru que ça pouvait arriver. Ils arrivent. Même avec tout ce qui se passe dans ce village, la Légion Rouge vient pour moi. Qu'est-ce qu'ils veulent? Je n'ai pas toujours été celui que vous avez devant vous. Non. J'étais un gredin, une canaille de la redoutable Légion Rouge. La bande du célèbre bandit Edouard le Rouge. Alias Edouard de la Mort. Mais le pillage ne me suffisait pas. On s'est pas douté j'aspirais que ça fasse sa tête. À autre chose. Plusieurs d'entre nous ont simulé la mort et ont déserté, sachant bien qu'Edouard le Rouge risquait de nous traquer. Mais oui, aussi. Et c'est ce qu'il a fait. Edouard le Rouge a tout dit dans sa lettre. Il exige de nous le rituel du sang, deux vies contre une. Il ne me laissera en paix que si je tue ceux qui ont déserté avec moi. Mais je ne peux pas. C'était pas mon combat. Moyen que tuer deux gens, ouais. Je fais ce que je dois faire. Claude, ils s'en fichent. J'espère qu'Ugnar et Itran me pardonneront. Ugnar travaille au village de Korhart. Itran rôde dans les ruines près de Axi et lutte toujours contre ses démons. Prenez garde. Je crains qu'ils ne soient eux aussi à ma recherche. Quand vous aurez terminé, prenez leur dague et remettez-les à Edouard le Rouge. Il vous demandera une preuve. Oui, elle est bien. Prenez déjà la mienne. De toute façon, quand elle est pas bien, elle s'en va. Bonne chance à vous. Que Mitaru vous bénisse. Ceux qui bougent pas, donc rien à dire. Ugnar travaille à l'auberge de Korhart. Itran se fait maintenant appeler Itran l'Obscur et détrousse les voyageurs qui traversent Axi. Adieu, mon ami. Hey. Oh, elle réclame des câlins en plus. Elle miaule un peu de façon silencieuse, c'est trop cute quand elle fait ça. Oh non! Ah non. C'est juste à côté. Les factures! Et elle commence à tout piller. T'as quelques niveaux en discrétion, c'est pour ça tout piller. C'est comme si j'avais vraiment attendu avant de tout piller. Hein. Ah oui, du coup, Sœur Zelda. Alors tiens, c'est pas contre les femmes, c'est juste que t'es incompétente. Elle dort là comme une Claude. Je rends grâce à Mitaru. Vous avez le livre d'ordination. Je donnerai une bourse pleine d'or pour voir la tête de l'abbé Dinuel. Il ne pourra plus refuser de me laisser entrer dans l'ordre. Mitaru nous aime tous. Merci. Je n'aurai plus besoin d'or quand je servirai Mitaru. Prenez le mien, il est à vous. Je ne vous oublierai pas dans mes prières. Rentable. En tout cas, je tiens à signaler que... au moins, elle est très pieuse. Salutations. Un poil trop, mais... c'est un peu dangereux à ce niveau-là. Mais il était comme en danger. Comme tout, hein. Je crois que c'est. Quand c'est trop, ouais. Quand c'est trop pique. Il était pas en danger. Ah, pitié. Bienvenue. Je n'ai pas de quête active. C'est honteux. J'ai tant de travail.
continue les quêtes secondaires. Ok. Toujours un épisode 4 secondaires, puis un épisode 4 secondaires et un peu de mission principale, c'est ça. Bonjour. Toujours, hein. Faites vite, j'ai du travail. Oh, je suis en retard. Je peux pas payer mes dettes avec du petit bois. Pas à Gorart. Faites vite, j'ai du travail, dit-il en se rallongeant sur le divan, là. Ah, t'as l'air très occupé. Delph m'envoie. Ça me pendait au nez, ça ne me surprend pas. Delph ferait n'importe quoi pour sauver sa peau. Mais engager un mercenaire pour faire le sale boulot, c'est indigne. Si vous voulez ma dague, il faudra vous battre et croiser le fer. Je savais bien me battre autrefois. Delph ne vous l'a pas dit ? J'ai pas peur. Hein. Vous avez raison. J'essaie d'enterrer mon passé depuis des années en espérant me laver de mes péchés avec un travail honnête. Si j'obéis au rituel du sang, j'appartiendrai de nouveau à Edward le Rouge. Prenez ma dague. Dites-lui que je suis mort. Dites-lui que Lugnar Odgrey qu'il connaissait n'est plus. Ouais, c'est pas menti. Il a pas de couilles. Mais au moins, c'était pas menti. La folie. Effectivement. Ouais. Mais il a pas les... Il a pas les balls. Il y a un coffre, mais comme il dort pas... L'autre qui traverse les fourrés en courant. Pourquoi tu cours? Je voyage toujours comme ça. Rome. C'est le dieu barbare de la baston. Grom, des mordales, des ch'tards, des gnons. Oh, 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 Grom, la fille n'écoute pas. Car il s'en pifoule. Et oui, c'est Grom. Parce que, non, Claude ne prie personne d'ailleurs. Non, Claude ne prie personne. Ils n'ont pas besoin de prier Grom d'ailleurs, vu qu'ils sont pis pour là, ça ne sert à rien. Oui. Quand les guerriers meurent, ils ricanent. Et ça, il serait les staggers, ça c'est pratique, ça c'est Claude. Le petit dernier pour la route. Ah non, je l'ai raté. Oh, il y en a un qui s'est cancel. J'ai plus de mana. Hey, c'est mal foutu ça, qu'on peut pas les faire péter. Le foot. Et là, je lui encline la forêt. Aussi. Bravo, tu as détruit un écosystème. Yay. Yay. Pa-la-pa-pao. Maintenant, allons miner du pétrole. Gloire aux Amériques. C'est ça qu'on sait pas, en fait, les Tuatha font la guerre pour récupérer le pétrole chez les Faylet. Ils ont déjà tout pompé chez eux. C'est vrai qu'il était le mec qui est mort. Vraiment par là? Putain, mais c'est méga loin! Regarde. Je vais découvrir une nouvelle ville, je vais avoir trois fois plus de quêtes. Oh, t'as découvert une nouvelle zone, tu vois. J'achèterai un nouveau sac. Je crois que t'as la tise bois, pas sûr, mais je crois que c'est le bois. Ça, il fallait buter les antilopes pour une quête. Hein? Ah, je crois que j'ai fini. C'était pour qui? C'était pour la meuf. Ah, pour la meuf, pour la meuf qui voulait refaire une. Qui va nous rouler à la fin. C'est sûr. On était certains. On était certains. Oh, c'est normal. Oh, c'est un event. J'ai peur. Nous sommes à petit bois, je crois. Hein. Ouais. Elles sont bas. Ouh, ah non. Reviens! Ok. Est-ce qu'on les laisse vivre leur vie d'araignée ou massacre?
L'XP. L'XP d'abord. Bonjour madame. Ah, elles sont pas plus nombreuses que ce que je pense. Bon, t'as déjà ça en moins. Nice. Pas bon sort, hélas. J'ai changé de spray. Parce que j'avais plus beaucoup de mana, donc ça servait pas à trop à grand chose de mettre deux. Avec le bleu là. C'est ça qui me quitte là. Oh mais il est tellement chunky qu'on entend l'escalier. Non, c'est chance. Ah, c'est chance. On dirait les ossements d'un soyeur victime d'une attaque d'araignée. Je devrais essayer de leur trouver une sépulture décente à Canora, village proche. Ok. Je sais pas pourquoi il est gentil comme ça, Claude. En fait, c'est sur une île, quoi. Comme ça qu'ils se protègent des araignées. Bonjour, je viens avec un cadavre. Enfin, je veux dire... Elle est sympa, le village. J'ai eu un peu peur. C'est un quartier à Paris. C'est un quartier à Paris, ok. Je connais vachement Paris. Non, pas du tout. Oh, je me fais attaquer par un villageois. Quelqu'un est enfin venu. Dites-moi, venez-vous de Gorart ou de Didonil? Combien de guerriers voyagent avec vous? Je suis tout seul. Je pense que vous soyez l'aide dont j'ai besoin, mais je ne voudrais pas vous paraître ingrat. Canerok aurait besoin de quelqu'un ayant vos talents. L'ancienne forêt abrite des milliers d'araignées. Dis-moi, c'est la forêt, ok. On dit qu'autrefois, elle s'étendait jusqu'à Odarat. Une légende prétend même qu'une horrible sorcière appelée la Veuve régnait sur les araignées. Mais ce sont des contes pour enfants. Oui, bien sûr, des contes pour enfants. À tous les coups, on va se taper. Des contes pour failles. Ouais, des contes pour failles. À tous les coups, on va se taper une araignée. Ces gens gagnaient leur vie en récoltant les toiles dans le bois pour qu'on réussisse. J'ai pas fait cette partie de... La plupart d'entre eux n'ont pas survécu aux premières attaques d'araignées. Non, parce que je skippais plus. Je fais de mon mieux pour sauver ce village, comme vous pouvez le voir. Ce village a été construit pour ceux qui vivent de la récolte de la soie dans Tisbois. C'est dangereux, mais nous avions les ponts et la magie pour nous défendre. Malheureusement, ce n'est plus le cas. Et nous n'avons ni les bras ni les défenses pour tenir indéfiniment. Au secours ! J'ai peur ! Voilà, je veux qu'on arrête là, comme ça, sur ce visage. Moi, ça me va. On dit que l'autre derrière regarde en roulant des épaules, là. Je sais pas. Je suis un bonhomme ! J'ai peur de rien ! Je suis trop fort ! Et je regarde quand même un peu autour de moi parce que j'ai peur qu'il y ait des araignées. Nous sommes à la lisière de Tisbois et travaillons comme soyeurs pour la plupart. En temps normal, nous comptons sur nos ponts et l'ancienne aura des faets de l'été pour nous protéger. Mais ces derniers temps, nos défenses sont devenues insuffisantes. Ces hideuses araignées attaquent de toutes parts. Elles ont même atteint Yolvan. La semaine dernière, des chasseurs sont partis avec Barten, le chef de la défense du village. Nous cherchons quelqu'un pour le retrouver. Lui et son groupe. Bien. Intérêt à payer cher. J'ai d'autres informations à vous donner au sujet de Barten et des chasseurs, mais ne donnons à personne de faux espoirs. Les villageois deviennent hystériques. Retrouvez-moi sur le pont au sud. Nous poursuivrons cette conversation. Y a personne. Bonne chasse.
Il est nul votre village. Il y a des vendeurs au moins. Étranger. Il paraît que traverser Tisbois ne vous fait pas peur. Je ferais n'importe quoi pour être comme vous, pour quitter cet endroit. Cela fait des semaines que je suis loin de chez moi et je crains que quelque chose d'horrible ne soit arrivé. C'est tout le problème, je ne sais pas. Je suis arrivée à Canerock quelques jours avant les premières attaques. Je suis restée coincée ici. Notre ouvrier, Carteri Jaik, est arrivé en titubant à Canerock quelques jours plus tard. Il a d'abord été très évasif au sujet de mes parents. Puis il m'a dit qu'ils avaient été tués par les araignées. Maintenant, il m'évite. Il évite tout le monde. Quelque chose s'est passé dans cette ferme, mais je n'arrive pas à savoir quoi. Bah, ils sont morts, du coup. Je vous donnerai tout ce que je possède. Donc ta ferme. Comment vont mes parents? Et toi? Je dois savoir ce qui s'est passé là-bas. Propriété, ce serait bien. Elle est complètement débile. Pourquoi il ne parle pas de ce qui s'est passé? Parce qu'il a vécu un trauma. Il a dit que mes parents ils étaient morts et il refuse de m'en dire plus. Vous pouvez vérifier si mes parents ils vont bien. Bah, à mon avis, ils vont pas trop bien. À mon avis, c'est des petites bobines de fil avec des sauces, avec des ossements dedans. Et voilà. Tu t'es coincé. Ah, elle donne des coups de boule. On est vraiment sous les selles. Je crois que c'est terrible. Elle est trop cute. Pourquoi t'es si mignonne? Excusez-moi, mademoiselle, mais il y a des lits de mignonnerie là. Un chat après tout. Chatonisme. D'ailleurs, faut qu'on accroche la vitre. Ça serait drôle. Oh, elle se colle en fait. Oui, elle fait ça. Et si elle vient vouloir dormir avec toi, elle va se coller à toi. Ouais, mais il y a tous les trucs d'hémorragie. Non, mais... Bah ouais, hein, ouais, il y a quasiment le double d'armure. Hein. Autant passer sur une armure meilleure en fait. Ah, t'as pas le niveau. Moi, je vais les garder du coup. Bonjour. C'est pas un endroit pour prier, madame. Je prie où je veux. D'accord. Je mets les pieds où je veux, et c'est souvent dans la gueule. J'arrivais pas à comprendre comment il était installé, en fait. En boule. Ouais, il est en PLS. Après une grosse pluie. À mon avis, il a surtout peur des araignées. Tout à l'heure, j'ai réussi à faire une commande qu'on n'arrivait pas à faire avec Luzrod. Et quand j'ai réussi à le faire, je l'ai regardé et j'ai fait « Nyaha !» Il était tellement désespéré par l'exercice qu'il a même pas tilté. Pour te dire, il y a un truc qui la trigger plus que les coraux. C'est-à-dire ? Les commandes bâches. Je pense que quand tu arrêtes de la caresser, tu mets des gros coups de tête. Oui. Probablement papa. Pas. C'est ouvert. Merci à tous, au revoir. Mais non, du coup, ils vendent peut-être un sac. Oui, c'est un village.
Je vais parler au marchand alors. Bonjour, vous avez un sac? J'ai la forge. Moi je parlais à Bill. J'ai beaucoup à faire, étranger, alors si vous venez pour affaires, ne perdons pas de temps. La forge est chaude, si vous en avez besoin, et j'ai quelques articles de côté, mais nous en aurons sûrement bientôt l'utilité. Pour réparer. À tout. Ouvrez bien l'œil. J'ai beaucoup d'argent. Suis-je la seule à m'en apercevoir? La veuve! La veuve vient nous chercher et sa progéniture l'accompagne. Elles nous auront dévoré avant la nuit. On ne peut pas tenir cette île ni ses bâtiments face à elle. Tu vas te calmer, oui. Je m'en fous de ton histoire. Achète ma merde. Vends-moi un sac. Il vend pas de sac. Ah. Mon bah les couilles de ta vie. Donc ce n'est pas là qu'il y a un serpent dans ce village-ci. C'est interdit d'être aussi cute, mademoiselle. Bon, à la base, j'étais pas venu pour ça, hein. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Mais c'est toujours à la base, on n'est jamais venu pour ça. C'est le principe d'un RPG, hein. C'est ça. Un loup-garou, ça, qu'est-ce que c'est, un murloc? C'est un genre de murloc. Qui prenne le fou. Bien, parfait. Défonce-le. Ok. Ça c'est un ragdoll. Allez, cours. Cours. Mémorium des balades. Ça fait toujours les zones de TP. Oui. Oh, j'aime bien. Bien joué, bien joué. Moi, je pense que je vais me coucher. Ah oui! En effet, c'est pas une mauvaise idée. Prenez garde. Eh hey, vous! Ce sont les engagés qui vous envoient? Il était temps. Parce qu'il est tout chaud. Je moisis dans cette forêt depuis une bonne semaine et Jory est mort. Les trolls sont plus coriaces qu'on ne pensait. On savait que les trolls des rochers étaient coriaces. Mais là, ce sont des trolls des montagnes et ils sont deux fois plus forts. En vrai, je pense que je vais arrêter aussi. Fatigué. Oh, très bien. Bah ouais. Écoutez, hein. Nous devions reprendre le contrôle de la situation, mais elle nous a échappé. Un des trolls des montagnes a tué Jory. En tout cas, je suis content de voir arriver Jory. Quelqu'un. Il faut arrêter les trolls des montagnes. Celui qui a tué Jory rôde toujours près du camp que nous avions dressé. Si vous vous en chargez, je pourrai récupérer les affaires de Jory dans le camp. Et je vous promets de vous donner ce qu'il reste de son épée en guise de récompense. Vous avez des bouts d'épée, d'accord.
vraiment une dille. En tout, je crois qu'il y en a 5 qui rôdent dans le coin. 5 ? En comptant celui qui est près de notre camp de fortune. Mon contrat était de nettoyer la forêt. Si vous vous en chargez, je pourrais rentrer chez moi dignement. Adieu. Bon. Oui. En vrai, je vais sauvegarder. On va s'arrêter là. Paf. Parce que je suis fatigué. Mais ça progresse. Ça progresse. La prochaine fois, on continuera les quêtes secondaires. C'est ça. Non, en vrai, attends. Après, les quêtes du côté de Tisbois sont sympas, donc, je trouve. Bah, on a plein de quêtes, ça fera de l'XP. Après, je les connais pas, peut-être pour ça. En tout cas, bref, la prochaine fois, on continuera les quêtes secondaires. J'espère que le live vous aura plu, qu'on aura dit suffisamment de conneries pour vous détendre. Demain, c'est Ildoror sur Baldur's Gate 3, c'est ça ? Oui. Voilà, et puis après, ce sera jeudi pour Renard sur En Garde. En Garde, ouais, j'ai essayé de le filmer. En Garde. Je pense pas qu'il doit rester encore beaucoup de niveaux, ça. Il me semble que c'est un petit jeu. Donc. Eh bien, en attendant, je vous fais à tous des gros bisous. Merci d'être passés. Et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde, à samedi, soyez là.